Bonjour tout le monde. Nous connaissons déjà, nous, moi c'est Jean-Jimmy. Je dis, moi je vais vous montrer qui est que nous avons résolu une équation second degré dans trois façons. Première façon, elle est vraiment longue. Deuxième, elle est tigeant longue tout. Et puis, troisième, elle est vraiment courte. Ça, vous avez résolu dans moins que une minute. Si toutefois que vous réfléchissez un peu, parce que troisième partie, elle demande un peu de réflexion. Et puis, ce n'est pas toute équation second degré qui vous résoudre comme ça. Mais, en pile dans l'équation second degré, vous avez résoudre ou abjoindre dans la troisième façon. Mais, on commence avec la première façon. Donc, la première façon, c'est qui ça? Donc, vous avez pour chercher delta. Ok? Donc, l'équation ça, elle est sous forme ax carré plus bx plus c. Équation ça. Ok, ça veut dire a égale avec 1, donc avec ça, ça c'est coefficient, carré coefficient de x carré qui est égal avec a. Ce coefficient de bx de x c'est 5, là, donc on dit b est égal avec 5, et puis c égal avec 6. Ce qu'on y a là, nous allons chercher delta, parce que la formule delta c'est bizarre, c'est b carré moins 4 ac. Ok, ce qu'on y a là, nous allons passer b ac par valeur. So là, nous avons b carré qui est égal avec, on a dit c'est 5 au carré moins 4 par 1 par 6. So qu'on y a là, nous allons continuer, delta égal avec 25 moins 4 par 1 par 6 qui est égal avec moins 24. So qu'on y a delta égal avec 1, 25 moins 24 égal avec 1. So qu'on y a nous devons connaître racine carrée de delta. So racine carrée de delta nous a dit racine carrée de 1. So ça veut dire qu'on y a là nous venons à faire 2. Racine carrée de delta qui est égal avec 1. OK? So qu'on y a là nous a dit delta est supérieur à 0. Là où je le delta la delta est supérieur avec 0, so qu'on y a là nous venons gagner deux racines, là nous venons deux racines qui s'expriment avec x second. So les delta supérieur avec 0, là nous venons deux racines, les delta inférieur avec 0, pas de racines, les delta égal avec 0, là nous venons une racine qui double, ça veut dire x prime lié égal avec x second. So kounya, tout le monde connaît ça, ça c'est une méthode ça nous apprendre en Haïti, nous comprenons ça. So kounya là, de façon ça, il est vraiment, on parle non mais il est vraiment c'est tout, ok, ça so, on continue. Qu'on y a là, nous besoin qu'on formule pour x prime. X prime est égal avec moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ok? So, on a continué. X prime moins b, b est égal avec 5. On dit c'est qui ça? Moins 5 plus racine carrée de delta qui est égal avec 1 plus 1. Et vous dit sur 2a, a est égal avec 1 sur 2 par a par 1. Ok, donc so, on a x prime qui est égal avec qui ça? C'est moins 4 sur 2. Donc so, x prime qui est égal avec moins 2. Ça c'est valeur pour x prime. Ce qu'on a là, nous allons chercher x second parce que là, ça, parce que delta supérieur avec 0, là, ça nous gagne 2 racines x prime avec x second. Donc so, on a x second qui est égal avec qui ça? C'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ok, donc so, x second. Et tout continue, c'est qui ça? C'est moins 5 moins racine carrée de delta qui est égal avec 1 sur 2 par 1. On continue, x second qui est égal avec moins 6 sur 2. X second qui est égal avec moins 3. So, solution, c'est qui ça? C'est moins 3 et puis moins 2. Ça, c'est solution. Ok? Il peut être un petit jalon, mais c'est seulement une formule que vous connaissez. Ou de connaître formule delta, ou de connaître qui ça qui b, qui ça qui c dans la fonction. Hein? Et puis, formule exprime avec x second, de capter on a tout. Et vous devez connaître tout, les delta supérieur avec 0, les delta inférieur avec 0 et les delta égal avec 0. Les ça pour connaître qui formule qui vous a utilisé. Ce qu'on a là, nous gagnons, ça c'est réponse. On va mettre sous côté là. On va mettre sous côté ça là pour chaque méthode nous utiliser pour nous changer, même réponse nous devenir. Moins 3. Moins 2. Ok? Ok? So, moi qui t'en fais première façon, nous allons faire deuxième façon qui va résoudre l'équation second degré. Ok? So, là, nous allons dire grand X qui est égal avec moins B plus.
plus ou moins racine carré de b carré moins 4ac. Et puis, vous connaissez la formule ça, vous pouvez résoudre n'importe équation second degré avec lui. Ok? Donc, so, on va continuer, nous juste pour remplacer les deux par valeur. Ok? On a b, nous connaissons qui est égal avec qui ça. Nous n'avons pas oublié, ça lui-même est toujours sous forme ax carré plus bx et puis plus c. Donc so, là, on a connaît b, b égal avec 5. Donc, so, on a dit moins 5 plus ou moins racine carré de plus ou moins racine carré de 5 carré moins 4 AC nous connaît A qui est égal avec 1 et puis C qui est égal avec 6. Tout ça en bas racine là. Ce qu'on a dit 2 fois 1 qui va égal avec 2. Ce qu'on a X égal avec qui ça moins 5 plus ou moins 5 au carré qui est égal avec qui ça 25 moins 24 sur 2. So x qui est égal avec moins 5 plus ou moins 1 sur 2. So x qui est égal avec c'est qui ça moins 5 plus ou moins 1 sur 2. So qu'on y a là on a bon premier x qui est égal parce que nous pas oublier ça c'est moins 5 plus ou moins 1. So ça veut dire qu'on fait ça séparément. Ce qu'on a, on a bien dit ça, moins 5 plus 1 sur 2. Premier x, ça, la égal avec moins 4 sur 2. So, ça, x, ça, il égal avec moins 2. So, nous allons faire, qu'on a, on va dire, c'est plus ou moins 1 d. Ce qu'on a, on a fait avec moins 1. Ce qu'on a, c'est qui ça? On a toujours dit, même bagarre, x égale avec moins 5 et puis moins 1 sur 2. So, x égale avec moins 6 sur 2. X, nous avons dit qu'on a égal avec moins 3. Nous pas oublier, solution de ça, il était moins 3 et puis moins 2. Il va être simple, ça c'est moins 3, ça c'est moins 2. Ça veut dire qu'on a montré nous deux façons que nous avons résoudre. Ça va être facile parce que de vous songez, formule ça, ça c'est A, mettez, ça c'est A parce que vous mettez un boulet, mais c'est allié, formule c'est sur 2A. Ok? Sauf qu'on a appris, bon, c'est sur 2A. So, ça c'est 2 par 1, c'est même bagarre là, même résultat, ok? C'est moins 3 et moins 2. Il paraît simple, ok? Ok? So, kounya, on va passer avec la troisième méthode là. So, méthode ça, j'aime bien dire moi. So, il paraît simple, mais il m'a en plus de réflexion. Tant que moi-même, je vais montrer nous, puisque je vais expliquer nous, j'ai le tableau fait, les capables là prendre plus qu'une minute. Tout le monde va voir ça, vous comprenez? Mais nous-mêmes, si nous sommes fait examen, nous avons une bonne réflexion, depuis que nous avons indiqué. Moi des chiffres là mais comment on va résoudre, OK? Ça me va dire n'importe ça, on va venir comprendre plus clair, OK? So kounya là, nous gain x carré plus 5x plus 6. So kounya, nous besoin des chiffres les nous multiplier qui pour bailler 6 et puis les nous additionnel qui pour bailler 5. OK? So nous va prendre des chiffres ça pour nous c'est travail. So une fois 6 égal avec 6, les nous additionner des chiffres ça yo en moins si la bailler excusez en moins si la baille 5, 1 plus 6, il est égal avec 7. Ça veut dire 2 chiffres, ça va pas travailler. Nous besoin de chiffres, nous besoin de 6, ça est bon. Mais le nombre additionnel pour 7, il va bon. Ça veut dire qu'il doit être égal avec 5. Donc on a essayé 2 autres chiffres pour moi. Est-ce que là, marché? Donc on nous prend 2 autres chiffres qui sont 6. Donc 2 fois 3, 2 fois 3, il est égal avec 6. So 2 fois 3 égal avec 6. En nous additionnant pour nous, est-ce que la baille 5? So 2 plus 3 il est égal avec 5. So nous avons clairement si ouais ça. So ça c'est plus 5 plus 5 plus 6 plus 6. Ça veut dire 2 chiffres ça je travaille. Dès que nous venons 2 chiffres ça nous avons l'autre bagage que nous faisons. Nous juste venons là, nous dit x égal avec plus 3 et puis x égal avec plus 2. Parce que c'est plus 2 plus 3, nous déjoignons pour 2 chiffres. On nous dit égal avec 0. Ce qu'on y a là, on a continué dans le cas, on a dit c'est x plus 3 égal avec 0, x plus 2 égal avec 0. Ce premier x là, on a égal avec moins 3, et puis deuxième x là, on a égal avec moins 2. Ce nous songeait que nous devons gagner moins 3 moins 2. Ce là, nous gagnons moins 3 moins 2. Il paraît facile, ok? Ce qu'on y a, bon, fait, il y a un exercice pour passer par la troisième méthode là. On a vraiment gagné, on a vraiment capté, ok? Merci.